Presque toutes les routes qu'il emprunte mènent à des forêts, des lacs, des montagnes, des roches. Il sait ce qu'il veut. Il veut montrer que le paysage et le ciel sont le cadre naturel de l'activité humaine et comment l'homme peut être associé à ce décor magnifique. Ansel Adams est un réaliste. Il pense que la peinture a eu une influence néfaste sur la photographie. C'est ce qu'il explique à ses étudiants qui viennent de partout pour apprendre sa science. Avec rapidité et décision. Mais si la lumière ou la consistance de son sujet ne lui semble pas exacte, il attendra toute une journée, toute une semaine s'il le faut, jusqu'à ce qu'il puisse saisir la vérité. Il a apporté à la photographie la sensibilité d'un musicien et même certains termes musicaux. Il dit notamment que le négatif en photo est comparable à la partition d'une symphonie. Dans sa chambre noire, il est un vrai chef d'orchestre, essayant de tirer le maximum de sa partition. L'image finale qui en sort, il l'appelle l'exécution définitive de sa partition. N'étant pas homme à accepter une exécution comportant des fausses notes, sa corbeille à papier est généralement remplie d'erreurs que d'autres encadreraient avec fierté. Des écoliers viennent dans sa maison pour voir son œuvre et pour poser des questions. Nombreux sont ceux qui voudraient pouvoir faire ce que fait Adams. Ansel Adams avait poursuivi sa carrière musicale, il aurait probablement été un bon pianiste de concert. Mais son talent l'a conduit plutôt à la photographie. Et il en résulte de l'excellent art.